création d'un état à l'aide de l'assistant. Dans ce tutoriel, nous allons voir la définition de la source d'enregistrement d'un état. Et nous allons finir dans ce tutoriel par voir la création d'un état en utilisant l'assistant. Un état est un objet qui permet de présenter les informations d'une base de données relationnelle sous forme de rapport. Microsoft Access dispose d'une grande variété de fonctionnalités permettant de créer des états et de les présenter de la manière la plus professionnelle possible. Nous pouvons par exemple créer un état qui va afficher tous les fournisseurs de Brazzaville avec leur numéro de téléphone, y ajouter l'entête de notre entreprise, personnaliser son apparence, y ajouter une image d'arrière-plan, etc., etc. Pour créer un état, comme pour créer un formulaire, il faut disposer de ce que l'on appelle par une source d'enregistrement. La source d'enregistrement d'un état peut être une table ou une requête contenant toutes les informations qui s'y afficheront. Créons un état à l'aide de l'assistant qui va présenter toutes les ventes du mois d'avril de nos marchandises. Puisque nous ne disposons pas encore d'un objet table ou requête contenant toutes les informations relatives aux ventes du mois d'avril, nous allons pour commencer créer une requête sélection qui va rassembler ces informations et par la suite, nous créerons cet état. Pour créer cette requête, nous cliquons sur l'onglet « Créer », puis dans le groupe « Requête », sur l'icône « Création de requête ». Dans la boîte de dialogue « Afficher la table », nous cliquons sur la table « Marchandises », puis sur le bouton « Ajouter » et sur la table « Marchandises « Vente », celle qui contient les informations relatives à la vente, puis sur le bouton « Ajouter ». Nous fermons ensuite cette boîte de dialogue, double-cliquons sur les champs « Désignation »,« Quantité » et « Date de vente », créant un champ calculé que nous appellerons « Montant acheté » pour « Montant hors taxe » qui sera égal à la quantité QT accent aigu multiplié par prix qui est le prix de vente. Nous ajoutons ensuite un critère qui limitera l'affichage des enregistrements à ceux du mois d'avril. Et pour ce faire, nous cliquons dans la zone critères du champ date de vente et saisissons mois pour la fonction mois, mois de DTE vente, fermons crochet, fermons la parenthèse, mettons le signe égal et mettons 4. Mois, entre parenthèses, crochet ouvert, DTE vente, donc le champ date de vente, crochet fermé, nous fermons la parenthèse, égal à 4. Pour enregistrer et fermer cette requête, nous cliquons sur cette petite croix, puis sur « Oui », l'appelant « Vente mois d'avril » et cliquant sur le bouton « OK ». Nous allons maintenant créer un état qui va se servir de cette requête, c'est-à-dire de la requête que nous venons de créer, comme source d'enregistrement.
Pour créer cet état, nous cliquons sur la requête vente mois d'avril, celle que nous venons juste de créer, puis de nouveau sur l'onglet créer, dans le groupe état, cliquez sur l'icône assistant état, sélectionnez tous les champs de cette requête en cliquant tout simplement sur ce bouton, vous voyez ce bouton. Si jamais pour une raison ou pour une autre, la requête sélectionnée n'est pas celle voulue, il suffit de cliquer sur la petite flèche qui est là et de sélectionner la requête, la table dans la liste. Cliquez sur le bouton suivant, puisque tous les champs dont nous avons besoin sont sélectionnés. Suivant. Sélectionnez une disposition d'affichage des informations sélectionnées, puisqu'elles sont issues de deux tables. Souvenez-vous, les tables marchandises et marchandises vente. Nous allons sélectionner la première disposition d'affichage par marchandise de telle manière qu'en haut nous aurons le nom de la marchandise, en bas nous aurons la quantité vendue et ensuite nous aurons la date de vente et enfin nous aurons le montant taxe correspondant. Nous cliquons de nouveau sur le bouton suivant. Sélectionnez éventuellement, ou si vous voulez ajouter éventuellement un niveau de regroupement, nous pouvons souhaiter ajouter un niveau de regroupement par quantité, date de vente ou montant acheté, montant hors taxe. Pour ajouter un niveau de regroupement, il suffit de cliquer sur le champ souhaité et de cliquer sur ce bouton. Si maintenant le champ ajouté comme niveau de regroupement ne vous convient plus, vous cliquez tout simplement sur ce bouton. Puisque nous souhaitons conserver l'affichage de nos informations de cette manière, nous allons cliquer tout simplement sur le bouton suivant. Nous arrivons ensuite sur une vue de l'assistant qui nous permet de définir un certain nombre de choses. Cette vue de l'assistant nous permet notamment de définir les champs qui serviront de champs de tri et des options de synthèse. Si je clique sur la petite flèche de la première liste déroulante de cette vue de l'assistant, je me retrouve avec un certain nombre de champs. Je peux donc trier mes informations par quantité, par date de vente, par montant hors taxe. Moi, je vais les trier par date de vente. Et donc, dans la liste, première liste déroulante qui est là, je clique sur date de vente. Comme ça, les informations s'afficheront par ordre chronologique. En tout cas, les informations restantes. Deuxièmement, il nous est demandé ici de définir un ordre de tri. Les informations qui s'afficheront doivent-elles être triées en ordre croissant ou en ordre décroissant? Si ces informations doivent être triées en ordre croissant, nous laissons l'affichage par défaut. Si ces informations doivent être triées en ordre décroissant, il suffira que nous cliquons ici. Vous voyez, nous cliquons, le texte croissant apparaît, nous cliquons une seconde fois, le texte décroissant apparaît. Si le texte décroissant apparaît, que nous laissons ça de cette manière, que nous cliquons sur suivant, les informations s'afficheront, seront triées par ordre décroissant de date de vente. Nous pouvons également, en cliquant sur le bouton Options de synthèse, synthétiser les informations de notre état. Dans cette boîte de dialogue, nous retrouvons d'un côté les champs contenant les valeurs numériques. En l'occurrence, nous avons le champ quantité et le champ montant acheté. Et de l'autre, les options de synthèse. Nous avons une option, nous avons la seconde, la deuxième, la troisième, etc., etc.
Si vous souhaitez que les informations soient synthétisées en effectuant, par exemple, des sommes sur les champs qui sont là, vous cochez tout simplement. Pour cocher, vous cliquez. Nous souhaitons que les informations qui s'afficheront soient synthétisées par montant hors taxe, c'est-à-dire qu'il y ait une somme qui va s'effectuer par montant hors taxe. À chaque marchandise, nous aurons les montants hors taxe correspondants, toutes les lignes correspondant pour toutes les lignes de vente, et enfin, nous aurons un total en bas, donc la somme de toutes les lignes de vente correspondantes. Pour définir cette option, nous cliquons tout simplement sur la case à cocher qui est là. Donc, nous cochons la case à cocher montant acheté somme. Cliquons sur le bouton OK, puis sur suivant. Définissons éventuellement une disposition d'affichage des informations, échelonné, bloc ou contour. Nous allons prendre bloc. Éventuellement une orientation de page, portrait ou paysage. Si c'est cette orientation qui nous convient, nous cliquons dessus. Et si c'est la précédente qui nous convient, il suffira de cliquer. Nous allons garder l'orientation de page de notre état en portrait. Cliquez sur suivant. Appelez notre état rapport de vente mois d'avril et cliquons sur le bouton terminer. Notre état est créé et les informations que nous avons sélectionnées sont toutes affichées. Pour modifier légèrement cet état, nous pouvons toujours cliquer sur le bouton « Fermer l'aperçu avant impression », basculer éventuellement en mode page pour avoir une vue plus simple des informations constituant notre état. Et pour ce faire, nous cliquons tout simplement sur le bouton qui est là. Vous voyez le bouton qui est juste là en bas, « Mode page », sélectionnons toutes les informations qui nous intéressent, ou celles qui ne nous intéressent pas. En l'occurrence, cette information synthèse pour désignation ne nous intéresse pas. Donc, nous cliquons tout simplement dessus. Nous cliquons sur le bouton, appuyons sur la touche supre du clavier. Cette information est supprimée. Donc, si vous voulez revoir comment j'ai fait, je sélectionne cette ligne, la ligne contenant synthèse pour désignation, etc., etc. Donc, cette ligne. Par conséquent, je sélectionne toutes les lignes correspondantes en même temps, c'est-à-dire la ligne précédente et la suivante, etc., etc. Et j'appuie tout simplement sur la touche supre du clavier. Je supprime ça parce que franchement, j'en ai pas besoin. Ça encombre mon état. Maintenant, je vais augmenter un petit peu la largeur de la colonne montant hors taxe de manière à ce que les informations qui s'y trouvent s'affichent correctement. Pour augmenter la largeur de cette colonne, je clique dessus. J'amène le pointeur de ma souris sur sa bordure droite. Je clique sur lâcher. Et à partir de là, j'augmente la largeur de cette colonne. Alors, puisque j'ai aussi des informations relatives au toto, une sorte de sous-toto, il va falloir aussi que j'arrange ça. Donc, je clique ici. Je augmente un petit peu, et là, ça marche. Pourquoi pas faire la même chose pour le total général? Donc ici, je clique, j'augmente. Nous avons donc comme titre de notre rapport, rapport de vente mois d'avril. Nous pouvons bien évidemment cliquer une fois, une seconde fois pour modifier le contenu. Alors bien évidemment, on peut faire ce qu'on veut. Et vraiment faire ce que nous voulons. Pour fermer notre requête et ainsi enregistrer toutes les modifications que nous avons apportées, nous cliquons sur la petite croix qui est là, puis sur oui. Nous avons vu dans ce tutoriel comment créer un état à l'aide de l'assistant.